quand on signe un accord de coproduction, on donne le signal en fait à ces professionnels qu'il y a des choses à faire avec le pays en question. Et donc du coup, tout de suite ça crée un intérêt et on le voit parce qu'on est sollicité par les producteurs qui nous disent, des producteurs chiliens, des producteurs d'Uruguay, des producteurs canadiens, qui nous disent maintenant que l'accord est là, j'aimerais bien coproduire avec la Belgique. Et du coup, les rencontres se font. Bon, évidemment, on complète ça par des rencontres qu'on organise nous-mêmes à Cannes. On a fait des rencontres de coproduction justement avec l'Uruguay, avec le Canada. On en a fait avec la Pologne, avec l'Autriche, avec la Géorgie. Donc voilà, nous, on essaye aussi d'aider à mettre les gens en contact pour que des projets qui se discutent maintenant puissent éventuellement se concrétiser dans 4-5 ans. Donc souvent, on est sollicité par les producteurs eux-mêmes. Ils sont très, très inventifs. C'est eux-mêmes qui viennent nous dire parfois, j'ai rencontré tel producteur de tel pays, ça vaudrait la peine de réfléchir à un accord de coproduction parce qu'il y a tel et tel et tel guichet dans ce pays qui pourrait être bien pour nous. L'argent qu'on donne à des films étrangers ne nécessite pas de tourner en Belgique. Tout ce qu'il faut, c'est que l'argent que nous, on donne soit dépensé en Belgique. Mais donc, ça peut être pour de la post-production, il n'y a pas de conditions de tournage. Il y a des pays pour lesquels il y a des conditions de tournage qui sont imposées. Ça, c'est un peu au producteur, c'est son boulot de voir comment il peut agencer au mieux les pays pour que sa coproduction soit la plus cohérente. Ce qu'on développe au centre du cinéma, c'est des coproductions artistiques et techniques, c'est-à-dire pas des coproductions juste financières. Ça, c'est refusé par les accords de coproduction. Donc il y a toujours, de toute façon, à un moment, on va faire intervenir des techniciens de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le système pour que la coproduction puisse être reconnue. Donc voilà, c'est des opportunités en plus. La coproduction, c'est aussi un échange d'expertise, c'est aussi faire lire son scénario par des gens qui le lisent sous un angle différent. Ça apporte aussi beaucoup de choses, c'est beaucoup plus riche. Donc c'est faisable uniquement en Belgique, mais en même temps, c'est parfois bien aussi de s'ouvrir vers l'étranger. Et puis, il faut savoir que les films qui sont coproduits circulent beaucoup mieux. Les films qui sont 100% belges ont tendance à rester en Belgique. À partir du moment où il y a des coproducteurs, bah déjà d'habitude ça sort sur le territoire du pays coproducteur et donc le film a une vie qui est quand même plus intense quand c'est une coproduction. Je dirais que c'est la France en moins prétentieux, la Belgique. Donc les gens viennent aussi pour ça, viennent pour avoir des rapports qui sont plus simples et plus directs avec les producteurs que ça ne l'est parfois avec les Français où ça peut être un peu plus problématique. Et puis on est quand même un petit pays qui est arrivé à se bâtir une cinématographie qui est assez impressionnante. Et ça, à l'étranger, c'est très remarqué. Puis maintenant, avec les séries, c'est encore plus, je dirais que c'est encore plus fort. On doit avoir de tout, en fait. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à toucher le maximum de public. Si on arrêtait de faire du cinéma d'auteur pur et dur, ça n'aurait aucun sens du tout. On n'est pas là non plus, on n'est pas là Gaumont, quoi. On n'est pas là pour faire des grosses machines. Et celles-là, elles peuvent être financées par le marché, n'ont pas besoin de nous. Je pense que c'est vraiment le fait de s'ouvrir et d'aller vers des genres différents, vers des auteurs, des réalisateurs différents. Moi, ce que je dirais qui nous manque un peu, c'est peut-être des films de communauté, comme la communauté marocaine, la communauté noire. On n'en a pas, on n'en reçoit pas. Alors voilà, c'est peut-être là qu'il y a du boulot. Maintenant, il n'y a pas non plus énormément de gens de ces communautés dans nos écoles de cinéma. Donc le problème, il est à mon avis encore plus en amont. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.